messieurs les Anglais, tirez les premiers. Ça vous dit quelque chose? Symbole d'une élégance désuète ou d'une folie guerrière inconsidérée, cette mythique citation de Voltaire marque l'image que nous avons d'une époque, la guerre en dentelle, à savoir la guerre du XVIIIe siècle. Ceci étant dit, nous devons, c'est notre mission en tant qu'enquêteurs de l'histoire, découvrir quelle réalité se cache derrière cette symbolique guerrière dépassée. Car derrière les bataillons et les cartes, des hommes peuplés les rangs et victimes consentantes ou pas des ambitions de leur chef, ils restent les acteurs peu connus de ces conflits. Quête d'indépendance, d'honneur, de protection de la dynastie, les conflits du XVIIIe se situent aux confins d'un monde bientôt dominé par les nations et de l'ancien monde organisé par les rois. Mais nous n'avons que trop parlé, place à Épiquement Vôtre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel Épiquement Vôtre. Le premier conflit qui déchire l'Europe du XVIIIe siècle est un conflit aux multiples rebondissements. Tout d'abord, la fin du règne du roi Soleil est plutôt sombre, sombre est le soleil, est marquée par un ascétisme religieux impulsé par sa maîtresse, Madame de Maintenon. Du côté de l'Espagne, Charles II d'Espagne, le dernier roi Habsbourg d'Espagne, a une santé absolument calamiteuse. Nervosité extrême, laideur extrême, crise d'épilepsie, stérilité, bref, sa vie est un calvaire. Mais sa vie dure, et tout le monde attend qu'il meure pour enfin pouvoir se partager l'Empire d'Espagne. Notons que si ce pauvre personnage avait un état de santé aussi calamiteux, c'était dû à la consanguinité plus qu'excessive de sa famille. Donc ce roi n'a pas d'enfant, et dans son testament, il décide de remettre sa couronne à Louis-Philippe de Bourbon, le petit-fils de Louis XIV. Louis XIV accepte le testament, mais va commettre plusieurs erreurs qui vont précipiter le premier grand conflit du siècle. Tout d'abord, l'Empire d'Espagne est considéré comme un quasi-protectorat par les troupes françaises et les flottes françaises, et sert de base arrière à l'armée française et aux activités commerciales des Français. Ensuite, il va faire occuper les places fortes de la barrière en Belgique actuelle par des troupes françaises. Or, on sait que ces places fortes de la barrière constituent un enjeu européen primordial. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo qu'on avait réalisée sur la forteresse de Huy en cliquant juste ici. La forteresse de Huy faisait partie des places fortes dites de la barrière. De plus, Louis XIV commet une autre erreur. Il prévoit dans son testament que s'il ne possède pas d'héritier mâle, que les deux royaumes de France et d'Espagne soient réunis en un ensemble commun. Autant dire que cette perspective absolument effrayante suffit à l'Europe pour se liguer contre la France et l'Espagne. Les provinces unies, la Prusse, le Saint-Empire et l'Angleterre s'unissent pour cogner les Français. Ainsi, entre 1701 et 1714, une guerre absolument exténuante va tenter de terrasser le royaume de France et va mettre presque fin à ses jours. La France subit plusieurs défaites, mais Paris n'est pas encore menacée. Il faut bien dire qu'en face, nous avons des génies militaires. Eugène de Savoie pour le Saint-Empire et Marlborough, le duc de Malbrook, pour le côté anglais. D'ailleurs, nous avons consacré une vidéo au général de Malbrook ou de Marlborough, ici, ce lointain ancêtre de Churchill. Bref, les coalisés mettent la pâtée aux Français, notamment à la bataille de Blenheim en 1704, où les deux généraux alliés, Eugène de Savoie et Malbrook, vont écraser les Français. Ensuite, en 1709, a lieu la terrible bataille de Malplaquet. C'est une nouvelle défaite pour les Français, mais les coalisés perdent tellement d'hommes qu'ils ne peuvent pas continuer le conflit. Des négociations sont entamées, Louis XIV souhaite la paix. De plus, la même année 1709 voit un nouveau désastre. La France est frappée par un terrible hiver, un hiver qui fera 600 000 morts. Le pays est ravagé. La fin du règne de Louis XIV est absolument calamiteuse et les coalisés refusent la paix car ils pensent pouvoir mettre enfin à bas le royaume de France. Louis XIV va d'ailleurs se fendre de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un communiqué et va faire passer à son peuple un message qui sera lu dans toutes les paroisses. Il dira avoir tout fait pour obtenir la paix, mais les coalisés ont refusé et ainsi il ne peut que continuer la guerre. Mais heureusement pour la France, les généraux français vont être pleins de ressources et l'armée française va réussir à retourner la situation à la fin de la guerre. En 1712, la situation semble définitivement perdue. La citadelle de Lille vient de tomber et l'armée d'Eugène de Savoie n'est plus qu'un jet de pierre de Paris. Elle ne doit plus prendre qu'une seule citadelle avant d'accéder à la route de la capitale. On pense même déménager le roi à Chambord.
Mais le roi, évidemment, refuse. Il dit que s'il doit mourir, il mourra au premier rang, les épées à la main pour défendre son pays. Bref, cet acte chevaleresque n'aurait peut-être pas sauvé la France, mais il confirme l'état d'esprit de Louis XIV qui, bien qu'il ait voulu la paix, ne se résout pas à l'obtenir en étant écrasé, mais préfère se battre jusqu'au bout. Donc, finalement, 1712 est une année chaotique, mais les Français vont retourner la situation cette année-là. En effet, ils vont remporter à la bataille de Denain, sous les ordres du maréchal de Villars, une victoire décisive. Ils vont profiter de l'étirement excessif des troupes d'Eugène de Savoie pour séparer son armée en deux et les battre séparément. Cette grande victoire va renverser le cours du conflit. Le maréchal de Villars vient de sauver la France, on peut le dire. Finalement, la paix est conclue l'année d'après, puis en 1714, au cours des traités d'Utrecht en 1713 et de Rastatt en 1714. La France conserve ses conquêtes territoriales, mais l'Espagne est reléguée au rang de puissance de seconde zone et voit certains de ses territoires passer dans les mains de l'Autriche, comme les Pays-Bas et l'Italie espagnole. Alors, au niveau géopolitique, finalement, ce conflit laisse l'Europe dans un certain statu quo, mais voit l'émergence de trois futures puissances, entre guillemets. D'abord, l'Angleterre commence à prendre une place très importante, la Prusse commence à apparaître sur l'échiquier, et même la Savoie commence à progressivement fleurir sur l'échiquier politique européen. Quand on sait à quel point ces nations vont avoir une importance au cours du 19e siècle pour la création des États-nations notamment, on peut se dire que ce premier conflit du 18e, qui était la guerre de succession d'Espagne, est un excellent prélude à ce qui va se passer après. Du côté de la relation entre la France et l'Angleterre, on va entamer une longue période de tolérance mutuelle, qui va être notamment confirmé par les politiques pacifistes du régent entre 1715 et 1723, puis du cardinal de Fleury, le premier ministre de Louis XV, qui va confirmer cette politique pacifiste en Europe. Le second grand conflit qui va diviser l'Europe au XVIIIe siècle débute en 1740. C'est la guerre de succession d'Autriche. Son motif est relativement simple. La France, la Bavière, la Prusse et l'Espagne refusent de voir Marie-Thérèse d'Autriche porter la couronne du Saint-Empire. Ils vont, dès lors, soutenir leur candidat pour prendre sa place. Et donc, en 1740, meurt Charles VI. Et évidemment, immédiatement, les deux concurrents de Marie-Thérèse, la fille de Charles VI, contestent évidemment sa succession. Et il y a un loup qui rôde aux alentours de l'Autriche, c'est Frédéric II de Prusse. Et Frédéric II de Prusse voit ce moment comme tout à fait favorable pour lui, pour faire main basse sur la Silésie et ses richesses. Mais vous vous en doutez bien, les Autrichiens ne vont pas se laisser faire, ils vont s'allier avec l'Angleterre et les Provinces-Unies. Les Provinces-Unies ont clairement perdu beaucoup de leur pouvoir par rapport au siècle précédent, à savoir le XVIIe siècle, et c'est ainsi qu'ils continuent à jouer un rôle d'appoint dans les conflits européens, mais non plus un rôle majeur. Il ne faut pas se leurrer, c'est pas une grande puissance. En effet, leur puissance maritime et financière est progressivement remplacée par la puissance maritime et financière de l'Angleterre. Le conflit commence en 1741 avec l'invasion triomphale de la Silésie par Frédéric II, le roi soldat. Il défait triomphalement les Autrichiens à la bataille de Mollwitz, en 1741. La même année, les Français vont de leur côté envahir la Bohême avec le soutien des Bavarois. Ainsi, Prague tombe en fin d'année 1741. Charles Albert, le candidat des Français, des Bavarois, des Prussiens et des Espagnols, se fait élire empereur en 1742. La partie semble jouée. Néanmoins, l'énergie de Marie-Thérèse va réussir à renverser de façon un peu folle la situation. Tout d'abord, elle trouve un accord avec Frédéric II, ce qui la laisse tranquille sur ce front-là, et elle va retourner la situation contre les Français en reformant une nouvelle armée qui va bouter les Français hors de Prague en fin d'année 1742. S'ensuit alors une terrible retraite, véritable prélude à la campagne de Russie, donc sa fameuse retraite de 1812. Je vous laisse écouter ce récit. Dans la nuit du 16 au 17 décembre, les régiments sont sous les armes. Le roulement de tambours se fait entendre et l'on vit sortir de Prague des colonnes profondes de 11 hommes d'infanterie et 3000 chevaux et pièces de canon avec des vivres pour 12 jours. C'est toute une armée qui s'avance dans la plaine.
Partout la neige et le froid est si vif que les pieds et quelques soldats tombent d'inanition. Incessamment harassé par les croates et les pandours, le maréchal de Belle-Île fait face à la maladie et se fait porter sur une litière. Il évite les défilés et la carte à la main, il tourne les armées des Autrichiens afin d'éviter une grande bataille, et après 12 jours de marche admirable, comparable à la retraite des 10 000, il fait sa jonction avec le maréchal de Broglie. Le maréchal de Belle-Île ramène ainsi plus de 12 000 hommes, sains et saufs pour le service de la France. C'était un récit de Capefigue. Alors donc, le conflit semble presque réglé, du moins pour les Autrichiens. Tout d'abord, l'empereur concurrent de Marie-Thérèse, le fameux Charles Albert, est décédé au cours du conflit. Marie-Thérèse a trouvé un accord avec son héritier pour ne plus qu'il l'emmerde, en gros. Ensuite, elle fait reconnaître François Ier, son mari, comme légitime empereur du Saint-Empire, même si dans les faits, elle dirige les affaires. Ensuite, comme nous l'avons dit, elle a trouvé un accord avec les Prussiens, et c'est ainsi qu'elle peut se retourner contre la France. La France qui se retrouve quasiment esselée, et sous la menace d'une invasion conjointe dans l'Est et le Nord. Et oui, rappelez-vous que les Provinces-Unies sont alliées à la Grande-Bretagne et à l'Autriche, et risquent, elles aussi, de participer en envahissant par le Nord. À l'Est, les Autrichiens, évidemment, arrivent en grande pompe. Nous arrivons ainsi à la bataille de Fontenoy, un affrontement mythique qui va, encore une fois, en quelque sorte, sauver la France. Left here under pressure. 1745, vous savez qu'on ne combat pas pendant l'hiver, c'est le principe. Oui. Les troupes sont au repos pendant l'hiver. Et en 1745, un plan d'attaque en règle des Pays-Bas est mis au point par le maréchal de Saxe. Comment faire pour prendre Bruxelles, la capitale des Pays-Bas autrichiens? Pour prendre Bruxelles, il faut absolument soit prendre Mons, soit prendre Namur, soit prendre Tournai. Le 26 avril, c'est Tournai qui est investi par les troupes françaises. Il y a 90 000 hommes qui campent le 26 avril au soir autour de Tournai. Et donc, le maréchal de Saxe, convaincu que l'armée anglo-hollandaise, l'armée alliée, arriverait par Mons, fortifie une ligne qui va de Lescaut, Antoine, au bois de Barry, en passant par le village de Fontenoy. Donc le front français forme une sorte d'équerre et il va surtout fortifier tous ces points. Il va fortifier Antoine, il va fortifier Fontenoy, qui va être vidé de ses habitants, et il va construire entre Antoine et Fontenoy 3 redoutes. Il va faire abattre une partie du bois de Bailly pour créer, pour mettre à plat les arbres, les taillis, de telle sorte que la progression d'une infanterie par ce côté-là serait extrêmement difficile, quasi impossible. Et donc, le roi Louis XV arrive le 10 au matin à Calonne, sur la rive gauche de l'Escaut. Le 11 mai, au petit matin, il rejoint les troupes françaises qui sont disposées donc sur cette ligne de défense et évidemment en arrière. Mmh. Et il rejoint par le pont de bateau que le maréchal de Saxe a fait construire sur l'Escaut et qu'il a fait aussi défendre au cas où une retraite sur la rive gauche de l'Escaut serait nécessaire. Mais la bataille va commencer vers 4 heures du matin par évidemment la mise en route des troupes. Et donc les troupes hollandaises, les troupes hanovriennes et les troupes anglaises vont se mettre en marche pour s'avancer vers la ligne de front française, qui se trouve légèrement en hauteur. Et la première chose que fait le duc de Cumberland, qui dirige l'armée anglaise, anglo-hanovrienne, c'est d'essayer un mouvement d'attaque par le bois de Barry. Et ce mouvement d'attaque par le bois de Paris va s'arrêter net parce que celui qu'il a désigné pour commander ses troupes qui attaqueraient par là va craindre les troupes, le positionnement des troupes françaises bien protégées par la redoute dite 2. Redoute 2 est défendue par la brigade 2 française. Et elle est abondamment pourvue de canons.
refuser d'avancer s'il n'est pas lui-même protégé par de l'artillerie. Et donc, cette attaque avortée d'Ingoldsby aux petites heures du matin va faire perdre un temps énorme à l'armée anglaise et à l'armée hollandaise. Et ce n'est que vers les 6h, 6h30, que la première attaque va avoir lieu. Ce sera une attaque hollandaise sur Fontenoy. Entre Fontenoy et Antwerp. Et principalement sur Fontenoy. Et les Hollandais vont se trouver tout de suite devant un feu nourri des batteries de canons françaises qui se trouvent dans Antwerp, dans Fontenoy et dans les trois redoutes construites entre les deux. Et pire, les attaques hollandaises vont être prises de flanc par une batterie de canons de 12 livres, dont des très gros canons, qui se trouvent sur la rive gauche de l'Escaut et qui les prennent de flanc en enfilade. Et donc, les Hollandais vont vite refluer. Ils vont refluer avec beaucoup de pertes. Et à ce moment-là, le duc de Cumberland va se dire, si les Hollandais nous allons attaquer, il forme donc la droite de l'armée alliée, nous allons attaquer en force entre Fontenoy et le bois de Barry. Et pourquoi attaque-t-il là en force? Parce qu'il ne voit pas à l'horizon la moindre redoute. Entre ces 800 ou 900 mètres entre Fontenoy et le bois de Paris, ils n'ont pas été pourvus de redoutes. Et donc il avance, et vous savez qu'à l'époque, les troupes, les bataillons d'infanterie avancent en front long, et non en colonne, de manière à pouvoir tirer sur toute la longueur du front. Et c'est ce que, évidemment, les Anglais comptent faire. L'ennui, c'est que pour le faire, ils doivent s'avancer, évidemment, entre le village de Fontenoy et les défenses du bois de Barry. Ces défenses du bois de Barry qui tirent, évidemment. Avant d'arriver au contact des Français, les canons qui se trouvent dans Fontenoy et les canons qui se trouvent dans la fameuse Redoute 2 canardent la ligne de front anglaise qui s'avance et fait déjà d'horribles ravages dans la ligne de front anglaise. Et lorsque les Anglais, les bataillons anglais, en ordre mince, comme on l'appelle à l'époque, arrivent au contact des troupes françaises, va se passer le fameux épisode bien connu des livres d'histoire. Dans l'énervement, parce qu'évidemment, quand vous voyez arriver ces troupes nombreuses, l'attaque anglaise, c'est tout de même 22 000 hommes qui arrivent sur vous, dans un petit espace de 800 mètres. Et donc, vous voyez monter lentement ces troupes vers vous, vous finissez par perdre un peu vos nerfs. Et toujours est-il que les coups partent dans les rangs des gardes françaises, qui tirent donc sur la première ligne anglaise. Et bien sûr, les Anglais ripostent immédiatement. Et il faut savoir que les troupes anglaises, surtout les Guards, étaient extraordinairement bien entraînés au tir. Ils rechargeaient extrêmement vite, surtout. Ils tiraient beaucoup plus vite que les troupes françaises. Et d'ailleurs, c'est leur armement, c'est le fameux fusil Brandenburg, qu'on appellera plus tard Brandenburg, y contribuait. Pourquoi? Parce que la balle utilisée par les troupes anglaises était beaucoup plus faible que le calibre du canon du fusil. Ce qui fait que le rechargement du fusil est extrêmement rapide. Plus rapide que le rechargement du fusil français, où la balle était beaucoup plus ajustée. Et donc, en quelques minutes, c'est une pluie de feu qui s'abat, de balles qui s'abat sur les lignes françaises et les gardes françaises, dont tout le premier rang s'est écroulé lors des premières heures. Les gardes françaises prennent peur et il y a une sorte de mouvement de panique qui gagne les rangs. Les gardes françaises reculent. Alors,
bataillons des autres unités qui sont à côté font évidemment un mouvement en V, comme ça, hein, et dans lequel, créant une brèche, dans lequel les troupes anglaises rentrent. Mais à ce moment-là se produit une inversion de la situation des troupes anglaises. Au lieu de pouvoir combattre en ordre mince, comme c'est l'habitude, les Anglais sont alors obligés de former une colonne. Parce que 800 mètres, ça n'est pas suffisant pour aligner leurs troupes, comme d'habitude. Et donc, ils sont obligés de serrer les rangs un petit peu à la fois. Parce que les canons qui leur tiraient dessus, de face, un petit peu à la fois, au fur et à mesure que les Anglais avancent, ben, ces canons commencent à les prendre de flanc, et donc font énormément de ravages. Et donc, de plus en plus, cette colonne anglaise, anglo-hanovrienne, va se resserrer. Elle va se resserrer, mais elle continue à avancer. C'est un peu un mouvement d'inquiétude qui gagne les généraux français, les maréchaux de camp français, qui sont surtout ceux qui sont autour de Louis XV, hein, qui se trouvent derrière ces troupes. Et donc, on conseille rapidement au roi de reculer lui-même. Et le roi refuse. Cet acte de courage, de bravoure, hein, indéniable de Louis XV, va sauver l'armée française. Parce que si la colonne anglaise avait continué à progresser et que le roi était parti, ben c'est clair que le mouvement de recul des gardes françaises se serait transformé en mouvement de panique générale. Et la défaite française aurait été consommée. Mais Louis XV, tiens bon, il reste sur place. Et donc, ça galvanise les chefs de bataillon français. Et donc, l'infanterie française commence à colmater les brèches pour former une sorte d'étau autour de cette colonne anglaise, mais qui continue à avancer. Donc, vous pouvez imaginer, la colonne anglaise, maintenant, elle tire de trois côtés, de face, à gauche, à droite. Et en même temps, elle reçoit les coups de deux côtés, essentiellement, hein, de gauche, de droite. Qu'est-ce que le maréchal de Saxe va faire? Il va essayer de ramener des troupes de seconde ligne pour pour renforcer les deux branches de cet étau, pour parvenir à arrêter l'armée, donc l'avance de cette colonne anglaise, qu'on va appeler la colonne infernale, on appelle ça dans tous les livres d'histoire militaire, on appelle ça la colonne infernale de Cumberland. Et cette colonne infernale de Cumberland, elle va être arrêtée par quoi? Par le sacrifice de cavalerie française. Les escadrons de cavalerie française, qui sont nombreux, hein, sur le terrain, mais qui sont en deuxième et troisième ligne, vont charger de face la colonne anglaise pour essayer de l'arrêter. Ces charges vont être l'occasion de pertes effroyables dans la cavalerie française, parce qu'en avant de la colonne anglaise, il faut bien se rendre compte qu'il y a des petits canons, hein, des canons de 3 livres, qui sont avancés en avant donc, de l'infanterie. Et donc les décharges de mousqueterie sont accompagnées du tir de ces canons qui ravagent les rangs de la cavalerie française, hein, des escadrons français qui ne parviennent pas à s'approcher, hein, suffisamment de l'infanterie anglaise pour l'entamer. Cet échec des premières charges de la cavalerie française va entraîner un second mouvement de panique dans l'entourage du roi. Les conseillers du roi, à ce moment-là, vont lui dire « Sire, il est plus que temps que vous franchissiez l'Escaut. » Encore une fois, Louis XV refuse leur conseil. Il fait appeler le maréchal de Saxe auprès de lui. Et le maréchal de Saxe lui explique qu'il est en train de réunir son infanterie, mais il faut du temps pour que l'infanterie qui est bien en arrière, hein, notamment le régiment de Normandie, que cette infanterie rejoigne des positions suffisamment proches des troupes anglaises. Et donc tout ça prend un peu de temps. Un peu de temps, c'est évidemment plusieurs demi-heures. Et donc finalement, les charges de cavalerie françaises ont eu tout de même un effet, c'est qu'il y avait tellement de cadavres, de chevaux et d'hommes sur le champ de bataille, devant
cette colonne anglaise, que les soldats anglais ne parvenaient pas, parvenaient plus à avancer, faute de pouvoir enjamber les cadavres des chevaux. Cette colonne anglaise finit par s'arrêter. À ce moment-là, le maréchal de Saxe est parvenu à réunir l'ensemble de ses troupes d'infanterie et il fait attaquer des deux côtés, alors, la colonne anglaise. Et il l'a fait attaquer notamment par la brigade irlandaise. Dans l'armée française, il y avait une brigade constituée de bataillons d'Irlandais qui avaient fui l'Irlande occupée par les Anglais, hein, surtout après la défaite de la Boyne quelques années avant. Et donc, ça formait, tout cela formait une grosse brigade de bataillons irlandais. Et ces bataillons irlandais se lancent à l'assaut de cette colonne anglaise avec une vigueur terrible, puisque ce sont des ennemis héréditaires. Donc, c'était l'attaque irlandaise sur la colonne anglaise est extrêmement féroce et déterminée. La colonne anglaise est attaquée d'autre part, et à ce moment-là, le roi donne l'autorisation d'utiliser les escadrons de la maison du roi, c'est-à-dire la réserve de cavalerie, en fait, de l'armée française. Les escadrons de cavalerie de la maison du roi chargent eux-mêmes de face à nouveau la colonne anglaise, et surtout, on fait placer une batterie de 4 canons de 4 livres qui va prendre la colonne anglaise en diagonale sur donc, le coin supérieur droit de la colonne. Viennent se placer à quelques dizaines de mètres, hein, c'était pas très loin, une batterie de 4 canons de 4 livres qui commence à tirer à mitraille dans la colonne anglaise. Et ça fait une brèche terrible, sanglante dans la colonne anglaise, et à ce moment-là, c'est le début de la fin pour Cumberland. Parce que ces brèches sont telles que des trous, les trous qui sont créés dans les rangs britanniques ne savent plus être colmatés facilement. Et donc, la cavalerie française parvient à entrer dans les rangs de l'infanterie britannique, à sabrer donc, les fantassins britanniques, et qui ne savent pas bouger parce que le front est trop resserré. Cumberland, à ce moment-là, n'a plus de liberté de mouvement, il est coincé dans un étau, littéralement. Et donc, pour lui, c'est vraiment le début de la fin, et il le comprend, ce qui est la démonstration de ses vertus militaires. Il comprend que pour se retirer de là, il doit le faire tout de suite, et il fait entamer un mouvement rétrograde de ses bataillons. Mouvement rétrograde qui est très difficile à faire. C'est toujours la retraite qui est le plus difficile dans le mouvement d'une armée, mais aussi dans le mouvement comme notre comme celle-là. Finalement, les Anglais se retirent, mais au prix de pertes effroyables. Hein. Ce sont les bataillons des Guards qui forment l'arrière-garde des troupes anglaises qui se retirent. Et donc, elles se retirent vers leur point de départ, en fait, Vezon. À ce moment-là, les Hollandais tentent une nouvelle attaque sur Fontenoy, mais il est beaucoup trop tard. Ils n'ont plus aucune chance de faire basculer la bataille. La bataille est perdue pour les Alliés, c'est clair. Les Français sont tout de même passés très près, eux-mêmes, d'une défaite, parce que ce mouvement de panique que j'évoquais avait gagné l'ensemble de l'armée, c'est clair que l'armée française était défaite. Le maréchal de Saxe ne va pas poursuivre, comme on pourrait s'y attendre, il ne va pas poursuivre l'armée anglaise et l'armée hollandaise qui retraite vers Hatte. Il ne va pas le faire, pourquoi? Parce que Hatte est Mons, en fait. Il ne va pas le faire, pourquoi? Parce que ses troupes sont trop fatiguées, tout simplement. Et il a subi beaucoup de pertes lui-même. Hein. Il ne faut pas s'imaginer que cette bataille était indolore pour l'armée française. Les pertes vont être considérables de part et d'autre. Hein. Louis
Louis XV, en quête de son équilibre européen, n'en aurait-il pas oublié la puissance de son royaume? Quoi qu'il en soit, on dira bientôt dans les salons de Paris que l'on s'est battu pour le roi de Prusse, le seul vrai gagnant de ce conflit, qui laisse tous les autres belligérants sans gain important. Quoi qu'il en soit, il apparaît clairement, aujourd'hui, que Frédéric II est bien le maître à jouer de ce siècle, qu'il marque par son génie et aussi, et surtout, par sa légendaire fourberie diplomatique, qui va bien lui servir, vous allez le voir, dans le prochain conflit. Cet abandon par Louis XV de ses conquêtes est un point d'histoire extrêmement curieux et assez inexplicable. La guerre de succession d'Autriche a laissé l'Europe dans un statu quo malsain. Malsain pourquoi? Parce que tout le monde rêve à des degrés divers de vengeance. Et surtout les Autrichiens, ils ne peuvent pas accepter la PLS que Frédéric II leur a mis en prenant la Silésie qui est une province riche et industrieuse. La Silésie est une province au nord de l'Autriche et c'est une province extrêmement riche parce qu'il y a énormément de mines en Silésie. C'était la perle des possessions autrichiennes au point de vue rendement. Il faut savoir qu'à l'époque, on est au tout début de l'ère industrielle. Au point de vue rendement financier, c'était une province extrêmement, prospère et donc qui ramenait des revenus à celui qui le possédait considérable. Et ainsi, bientôt, dans les salons de Vienne, on ne rêve bientôt plus que d'un mot. Reconquête, vengeance. Si en Europe c'est la Prusse qui gêne un peu tout le monde, en Outre-mer, c'est bien un conflit franco-anglais pour la domination du Nouveau Monde qui va être à la base du plus grand conflit de ce siècle, peut-être même de la Première Guerre mondiale. Alors, pourquoi de telles frictions entre la France et l'Angleterre? Tout simplement parce que l'Angleterre tend à s'imposer de plus en plus comme une puissance navale mondiale. En effet, l'Angleterre peut aligner plus du double du nombre de navires de ligne de la France, et qui plus est, ces navires, les navires anglais, sont mieux équipés. Alors aussi, il est en jeu, donc la question, comme nous l'avons dit, du Nouveau Monde. La vallée de l'Ontario et ses riches circuits de commerce de fourrures sont en jeu. Tandis que l'État français n'a jamais vraiment pris fait et cause pour ces quelques arpents de terre enneigés, comme nous le disait Voltaire dans Candide, l'Angleterre voit dans le Nouveau Monde, et donc cette fameuse vallée de l'Ontario, un objectif primordial de sa volonté de conquête de leadership mondial. Ainsi, en 1754, soit 2 ans avant le début officiel du conflit de la guerre de 7 ans, les premiers accrochages éclatent en Nouvelle-France. Et alors, si la situation s'envenime au Nouveau Monde et sur les mers, c'est encore pire en Europe où on assiste à un véritable retournement de situation diplomatique encore jamais vu. Tout d'abord, l'Angleterre va s'allier à la Prusse pour défendre ses frontières directes territoriales, à savoir les frontières du Hanovre, et éviter donc une invasion prussienne. Ensuite, la France se rapproche et s'allie même par le traité de Versailles à l'Autriche, et c'est sans compter l'accord entre l'Autriche et la Russie contre la Prusse. On peut dire que 1756 est bel et bien le début du conflit. Frédéric II prend l'initiative. Ainsi, il va envahir la Saxe, un allié de l'Autriche, qui a l'avantage d'être une région riche, tient encore une fois après la Silésie, hein, et qui a en plus une armée très faible. Donc il va se défaire assez facilement de la Saxe et la piller comme cela se doit. Vous pouvez voir qu'à chaque fois, l'argent est le nerf de la guerre, car Frédéric II s'attaque à chaque fois à des zones riches, hein, la Silésie, la Saxe, et pas trop bien défendue. Bref. Ensuite, Frédéric II pousse son avantage et bat les Français au cours d'une bataille mémorable à Rosbach, en République tchèque. Puis, il va même battre, en se retournant quelques jours après, les Autrichiens à la bataille de Leuthen, au cours de laquelle il les écrase. Donc tout ça, ça se passe en République tchèque, qu'il a envahi. De leur côté, les Français connaissent un début de guerre plutôt favorable malgré cette défaite importante de Rosbach. En effet, ils vont envahir le Hanovre, hein, le fameux Hanovre, qui est la propriété des Anglais, avec une armée énorme de plus de 100 000 hommes. La campagne de 1757 est victorieuse et le Hanovre capitule. En réaction directe, l'Angleterre lance des petites opérations sur la côte ouest de la France, mais ne réussissent pas à prendre la ville de Rochefort. Ils débarquent quelques milliers d'hommes, ils attaquent des ports, ils pillent, ils mettent à feu à sang, et ainsi, ces petites opérations vont continuer plus ou moins durant tout le conflit.
En 1758, la situation commence à se compliquer un petit peu beaucoup pour le roi Frédéric II de Prusse. En effet, il stoppe avec beaucoup de pertes les Russes à la bataille de Zorndorf et a beaucoup de mal à reconstituer ses troupes juste après. Donc ça se passe à l'est de la Prusse. Ensuite, il éprouve des difficultés face aux Suédois qui descendent de la Baltique. Cette invasion quasiment conjointe de tout le monde contre lui lui cause, évidemment, vous comprenez, quelques problèmes. Donc il a du mal à reconstituer ses forces, mais heureusement, vu que les coalisés sont certes coalisés, mais entre eux ils ne s'entendent pas et ne réussissent pas à prendre des initiatives communes, il réussit finalement à sauver son royaume en 1758. De leur côté, les Français sont déjà en déroute, hein, et leur immense armée est bientôt mise en déroute par les Anglo-Hanovriens, qui refusent un combat direct et les harcèlent. L'immense armée française, bien mal commandée, est bientôt déjà en retraite et en déroute. La situation en 1759 s'enlise encore plus pour la Prusse avec de nouvelles défaites et pour la France, bah, ça continue quoi. Il y a des défaites qui s'enchaînent, bref, tout va mal. La Prusse est entourée par ses adversaires à l'est, à l'ouest et au sud. Son armée est insuffisante pour maintenir une guerre sur le long terme et commence à rapidement souffrir d'un déficit numérique. Berlin est pillé deux fois. Le château de Charlottenburg, la fameuse résidence de Frédéric II, est également mis à sac. Frédéric II voit la situation comme étant tellement désespérée qu'il pense même au suicide. C'est alors qu'en 1762, l'improbable se produit. En effet, Catherine II de Russie, la farouche ennemie de Frédéric II, meurt et laisse sa place à son fils Pierre III qui est un prussophile. Donc lui, il est vraiment fan de la Prusse. Il va tout de suite signer un traité de paix avec Frédéric II, il va même opérer un retournement d'alliance. C'est-à-dire qu'il va s'allier avec Frédéric II contre l'Autriche, et vu que la Suède est alliée de la Russie contre la Prusse, la Suède va également abandonner son front contre la Prusse. Cette situation absolument incroyable va permettre à Frédéric II de sauver son pays. C'est ce qu'on appelle le miracle de la maison de Brandebourg. Et alors, il faut savoir qu'en 1945, Hitler, dans son bunker de Berlin, il appelait à un retournement similaire en sa faveur pour sauver son empire millénaire. En effet, Roosevelt venait de mourir et il espérait qu'il y eût un retournement d'alliance en sa faveur qui aurait pu changer le cours de la guerre. Mais bon, Hitler n'était pas Frédéric II et vous savez comment il a fini. Suite à l'abandon de la guerre par Marie-Thérèse d'Autriche, fortement dépitée, et à la reconnaissance de la conquête de la Silésie par Frédéric II, le conflit s'arrête donc en Europe centrale par un traité de paix en 1763. Les Français, quant à eux, évacuent le Hesse Cassel suite à une dernière défaite. Maintenant, voyons ce qui s'est passé sur les autres fronts. Si la guerre de 7 ans est parfois appelée le premier conflit mondial, c'est parce que l'on s'est battu sur tous les continents. En effet, des combats très violents opposent les Français et les Anglais pour la maîtrise du Nouveau Monde, mais ces combats se déroulent non seulement en Amérique, mais également sur les côtes africaines et également en Inde. Tout d'abord en Amérique. Dès 1754, les premiers accrochages éclatent dans la vallée de l'Ontario. George Washington, le futur grand général de l'armée américaine, qui menait un raid au nom des colons anglais, se voit contraint de capituler suite à un siège mené par 400 colons français. Suite à l'attentat de Boscawen qui voit la saisie de plus de 300 navires de commerce français par la Royal Navy, le conflit s'étend. Du côté français, on est commandé par le fameux général Montcalm, mais on va rapidement souffrir d'un déficit numérique. En effet, les Français ne reçoivent que 9000 hommes de la métropole, tandis que les Anglais en reçoivent plus de 35000. Ensuite, déjà au niveau des populations. Si les colons anglais sont déjà environ 1,5 million en Amérique du Nord à cette époque, les Français ne sont que quelques dizaines de milliers. Alors vous comprenez que dans cette situation, sur le long terme, les Français ne vont pas pouvoir tenir. Néanmoins, Montcalm gère plutôt bien la situation, et c'est ainsi qu'il va battre une armée anglaise forte de plus de 20 000 hommes. Ensuite, il va mener une offensive très habile dans la vallée de l'Ohio, et il va prendre plusieurs forts aux Anglais. Entre 1756 et 1758, les Français accumulent les succès. Néanmoins, à partir de la fin de l'année 1758, les premiers revers s'annoncent. En effet, le fort de Louisbourg est repris par les Anglais et est rebaptisé Fort William Pitt. En décembre 1759 se déroule la fameuse bataille des plaines d'Abraham devant Québec. Alors en fait, la bataille des plaines d'Abraham se déroule juste devant la ville de Québec qui est tenue par les Français. Elle ne dure en fait que quelques dizaines de minutes, les Français étant mis en déroute assez rapidement. Mais au cours de ce combat, donc qui a lieu en septembre 1759,
Montcalm va périr et le général anglais Wolfe va mourir également au cours de ce combat. La chute de la ville intervient quelques jours après, le 18 septembre 1759, et on dit souvent que c'est la fin de la Nouvelle-France. En fait, c'est faux, car le dernier gros fief français, Montréal, ne va chuter que un an après, le 8 septembre 1760. Néanmoins, après la chute de Québec, les Français n'avaient plus de chance de pouvoir se maintenir sur le long terme, en quelque sorte en Amérique. Alors donc, ce conflit mondial se déroule, comme nous l'avons dit précédemment, aussi en Inde. Dupleix, l'ancien gouverneur général des Indes françaises, avait laissé une colonie excellemment bien organisée que ses successeurs vont s'acharner à mettre en ruine. En effet, il avait composé des armées de Sipahis, donc qui étaient des Indiens locaux, pour pouvoir se battre contre les Maharajas et tout ça, avec beaucoup plus d'efficacité. Mais ces unités, très bien adaptées aux réalités locales, vont se retrouver commandées par des officiers français incompétents, bornés et peu adaptés à la réalité indienne. Si la guerre de course en océan Indien, donc c'est-à-dire la guerre menée par les corsaires, est plutôt favorable à la France, on sait qu'on a une longue tradition là-dedans, et bien la guerre à terre est complètement désastreuse. On pense notamment à la fameuse défaite de Plassey, qui voit l'écrasement des Français par les Anglais. Les Anglais soumettent d'abord les alliés indiens des Français, puis enfin progressivement les derniers Français dans le port de Pondichéry, qui finira par chuter en 1761, assiégé par plusieurs dizaines de milliers d'Anglais et par la Royal Navy. La ville fut pillée. Alors également, des combats mineurs vont opposer les Français aux Anglais sur les côtes du Sénégal, dans les Antilles. Des combats vont également opposer les Anglais aux Espagnols aux Philippines. Tous ces combats font que l'on peut considérer que la guerre de 7 ans est le premier conflit mondial. Par exemple, quand on pense à la Première Guerre mondiale, finalement la plupart des combats se déroulent en Europe, un peu au Proche-Orient, et puis voilà. Bon, il y a quelques combats en Extrême-Orient, mais je veux dire, c'est assez mineur. Et quand on voit ce qui se passe lors de la guerre de 7 ans, on peut se dire, c'est le premier conflit mondial. Mais en fait, la différence majeure entre la guerre de 7 ans et les conflits du XXe siècle est que la guerre de 7 ans, finalement, ne concerne que les Européens. Alors que les guerres du XXe siècle vont engager des nations qui sont extra-européennes. Néanmoins, les alliés indigènes de la France, notamment, vont avoir quand même un rôle assez important. On pense aux Indiens des deux Indes, si je puis dire, donc les Indiens d'Amérique qui vont avoir un rôle très important, comme on peut le voir d'ailleurs dans l'excellent film Le Dernier des Mohicans, je vous conseille d'aller le voir d'ailleurs, et également ils vont avoir un rôle important en Inde, même si on sait qu'ils vont se faire balayer. Enfin bon, voilà. Donc, conflit mondial ou pas, je vous laisse seul juge. La guerre s'arrête finalement en 1763 avec la conclusion du traité de Versailles. La France sort considérablement affaiblie de ce conflit. En effet, elle perd toutes ses colonies nord-américaines, même si elle récupère les petites Antilles. Et ensuite, en Inde, elle ne conserve que 7 comptoirs aux grandes dames des Anglais, qui voulaient tout prendre. Enfin bon, ils conservent quand même 7 comptoirs, et tout le reste est abandonné aux Anglais. Il faut bien s'apercevoir d'une chose, c'est qu'à l'époque, l'opinion considère que les petites Antilles, donc la Martinique, etc., sont bien plus importantes pour la France que les quelques arpents de terre enneigée du Canada. En effet, les petites Antilles sont des fortes productrices de sucre, qui est une matière première donc très coûteuse à l'époque. Et donc on se dit finalement, pour la richesse de la France, c'est mieux qu'on garde les Antilles, prenez le Canada, les Anglais, de toute façon on n'en veut pas, il n'y a que de la neige et quelques ours. En gros, c'est ce qu'on se dit. Mais alors évidemment, l'histoire donnera tort à l'opinion. Et alors donc, l'Espagne qui s'était engagée aux côtés de la France, évidemment, a perdu elle aussi, et a perdu notamment la Floride, qui va retourner dans le giron anglais. Donc qui va y aller plutôt, qui va aller dans le giron anglais. Et donc pour compenser cette perte, la France va donner à l'Espagne une partie de la Louisiane. Et c'est ainsi pour cette raison que dans Assassin's Creed Liberation, on peut voir que la Nouvelle-Orléans est occupée par les Espagnols. On se demande finalement un peu pourquoi les Espagnols sont là à cette période. Et en fait c'est tout simplement pour ça, c'est une compensation donnée par les Français aux Espagnols. Ce conflit a été finalement assez catastrophique pour la France. Le statu quo ante belli étant rétabli en Europe, avec la reconnaissance de la prise de la Silésie par Frédéric II. Et donc finalement, cette guerre a un peu servi à rien, donc en gros. Mais comme vous allez le voir dans le prochain conflit, le successeur de Louis XV va prendre une revanche éclatante sur l'ennemi juré. La guerre de 7 ans a coûté particulièrement cher à la Grande-Bretagne. Alors donc, pour rembourser la dette contractée, Londres va répercuter le montant de la dette sur les taxes, et particulièrement sur les taxes imposées aux colonies. Car rappelons-le, les 13 colonies anglaises en Amérique sont soumises au système dit de l'exclusif,
C'est un système d'influence mercantiliste qui dit que les colonies anglaises ne peuvent commercer qu'avec la métropole. C'est-à-dire que donc tous les produits transformés arrivent de Londres. Londres a donc toute la latitude nécessaire pour augmenter les prix sur les matières transformées, et c'est ainsi qu'elle va augmenter notamment les taxes sur le thé. Alors, les colons, vous en doutez, ils ne vont pas accepter cette situation. En effet, les colons anglais jugent cette augmentation de l'imposition comme étant injuste. Un principe du droit anglais dit « no taxation without representation ». Or, les colons anglais ne sont pas représentés dans les chambres du Parlement anglais. De plus, la plupart des colons anglais, et même une grande partie d'entre eux, ont participé à la guerre contre les Français et ont payé un lourd tribut en hommes. Ils estiment donc injuste qu'on leur fasse payer deux fois le tribut de la guerre. La métropole anglaise méprise largement les colons américains, et c'est ainsi qu'elle va laisser la situation enfler jusqu'en 1773 et la fameuse Tea Party de Boston. Des Américains déguisés en Indiens vont s'introduire sur des bateaux de la Compagnie des Indes et balancer dans la mer des caisses de thé. Sous les applaudissements de la foule qui était excédée par les taxes, évidemment. Alors notons aujourd'hui que le terme Tea Party a été repris par un mouvement de droite, voire d'ultra-droite américain, qui est dirigé par la fameuse Sarah Palin. C'est un mouvement qui revendique notamment plus de liberté pour les États et qui conteste la légitimité de l'État fédéral. Donc vous voyez, cette notion de Tea Party aujourd'hui en Amérique est devenue un symbole de la contestation contre un État centralisé qui taxerait trop les entités fédérales. En réponse à la Tea Party, les Anglais vont bloquer le port de Boston et entamer une répression. C'est ainsi que, dans la suite de ces événements, le Congrès américain qui regroupe les 13 colonies va réussir à plus ou moins se mettre d'accord pour entamer une résistance armée contre les Anglais. Des dépôts d'armes voient le jour. Et les Anglais, vous en doutez, ils ne vont pas laisser ce joyeux capharnaüm continuer dans leur colonie et ils vont envoyer des troupes sous le commandement du général Howe. Le premier accrochage entre les insurgents, donc les révoltés patriotes américains, et les Anglais, a lieu en 1775, c'est la bataille de Lexington. Enfin, la bataille, c'est plutôt une fusillade. En fait, les Anglais arrivaient pour démanteler un dépôt d'armes, et les Américains se sont regroupés rapidement, et ils ont entamé une fusillade avec les Anglais, qui se sont retirés quelques minutes après. Le tout jeune Congrès américain va désigner comme généralissime en chef de son armée dans ce qui s'annonce comme étant clairement une guerre d'indépendance, le fameux général Washington. Vous vous en souvenez, on en a déjà parlé. C'est un médiocre stratège, mais sa pugnacité, son patriotisme et en quelque sorte son charisme vont être ses principales forces dans cette guerre d'usure. Alors les Américains vont également envoyer des agents en Europe. C'est ainsi qu'ils envoient dès 1776 Benjamin Franklin en France. Il va rapidement rencontrer, vous en doutez, avec sa verve, un certain succès dans les salons parisiens et même dans l'opinion française qui est vraiment plus que jamais gagné aux idéaux des Lumières. L'affaire américaine rallie les opinions en France. Si en plus ça permettrait de se venger des Anglais, je vous garantis que ça va motiver un peu tout le monde. Alors tout d'abord, Louis XVI va soutenir en sous-main les Américains et leur fournir les armements dont ils ont besoin. Il faut savoir que donc en Amérique, il n'y a quasiment pas d'industrie à l'époque, car toutes les matières transformées venaient d'Angleterre, donc il leur manque des canons, des fusils. Tout ceci va être acheminé en catimini outre-Atlantique par le fameux dramaturge Beaumarchais. Et du côté plus militaire, si on peut dire, il y a des jeunes nobles qui vont rejoindre la cause américaine dès 1776. On pense notamment au fameux Lafayette. Louis XVI va accroître son soutien aux Américains après la victoire américaine de Saratoga en 1777. Il faut bien se rappeler aussi qu'à cette époque, la France, contrairement à la guerre de 7 ans, dispose cette fois-ci d'une flotte très compétitive et très bien formée qui va lui être très utile dans sa future lutte contre les Anglais. Donc la bataille de Saratoga en 1777 voit la reprise de cette ville par le général américain Benedict Arnold suite à des erreurs du commandement britannique. Donc sur mer, les Français, les Hollandais et les Espagnols vont s'opposer à la Navy et tandis que sur terre, il n'y a encore que les insurgents qui s'opposent aux Anglais. Alors on rêve bientôt en France de débarquer directement en Angleterre. Mais pour ce faire, les généraux français estiment qu'ils ont besoin du soutien espagnol. Autant vous dire que cette idée va tomber complètement à l'eau, la faute aux épidémies qui vont s'emparer de la flotte, plus à la lenteur espagnole qui veut... La flotte espagnole va mettre un temps fou pour remonter en Bretagne. Je vous dis pas, le rêve de débarquement français en Angleterre. Sur terre, la situation se complique un petit peu en 1778. Washington est acculé sur le plateau de Valley Forge,
tandis que la ville de New York, qui est largement loyaliste aux Anglais, vient d'être prise par ces mêmes Anglais. Alors, Washington va opter pour une nouvelle stratégie face à Cornwallis. Il ne veut plus d'affrontements directs et donc il va privilégier les petites embuscades, les accrochages, pour éviter de se faire écraser. La victoire sur terre ne peut passer que par un engagement plus massif de la France, et c'est ainsi qu'en 1780, 6000 soldats français débarquent en Amérique sous les ordres du général Rochambeau. Tandis que sur terre, donc, les insurgents se renforcent, et bien sur la mer, les Français commencent à prendre l'avantage. En effet, la Navy est éparpillée sur toutes les mers du globe pour protéger ses possessions, et les Français vont pouvoir opposer une supériorité numérique de circonstance en Amérique. Rochambeau refuse d'user ses troupes à la légère et attend une vraie occasion concrète pour agir avec Washington. Ce sera la bataille de la baie de Chesapeake ou Yorktown. Alors donc, Cornwallis, qui ravage un peu les états insurgents, va recevoir l'ordre de remonter à New York. Pour ce faire, après avoir ravagé les terres autour de Yorktown, il va se retrancher dans la presqu'île de Yorktown, en attendant la flotte anglaise qui doit le ramener à New York. Cette monumentale erreur va être exploitée par l'amiral français De Grasse. De Grasse, il va avoir l'idée de cette bataille de Yorktown. Il va tout d'abord conseiller à Rochambeau de faire descendre ses troupes à marche forcée de Newport vers Annapolis. De Annapolis, les frégates de De Grasse vont les amener en face de Cornwallis à Yorktown. Ensuite, par voie de terre, les troupes de Washington vont arriver, renforcées par les cavaliers de Wayne et Lafayette qui vont les renforcer sur leur aile droite. Tandis que le dispositif franco-américain se met en place autour de Cornwallis, De Grasse va débarquer immédiatement 6000 hommes du régiment des Antilles le 30 août 1781 pour enfermer Cornwallis sur l'étroite bande côtière. Les Américains et les Français se renforcent plus que jamais et assiègent dorénavant Cornwallis dans cette presqu'île. Le 5 septembre 1781, une flotte anglaise tente de percer le blocus de De Grasse, autant dire qu'elle se fait écraser et perd 3 vaisseaux. Le 9 octobre, les Anglais perdent une nouvelle frégate de ravitaillement. Alors c'est un duel d'artillerie, surtout dans les premiers mois de la bataille, enfin dans le premier mois de la bataille plutôt, et rapidement l'artillerie anglaise est mise hors d'état de nuire par l'artillerie française. Le 14 octobre 1781, Français et Américains s'emparent de 2 redoutes de Cornwallis. Voyant la situation plus que dangereuse pour son armée, le général anglais va tenter de sauver ce qui reste de ses troupes et va tenter de rejoindre Gloucester de l'autre côté de la York River avec le dernier bateau qui lui reste. Mais alors, l'Opex va tomber à l'eau. En effet, la dysenterie va s'abattre sur ses troupes et la météo va être absolument horrible le soir où il veut partir. Le 19 octobre 1781, Cornwallis se rend avec le reste de ses troupes. Le jour où il se rend, il est malade, la dysenterie, tout ça. Du coup, il dit de remettre son épée au général français Rochambeau, car il ne peut admettre d'avoir perdu devant les Américains. Rochambeau va détourner l'officier anglais qui veut lui remettre l'épée et va la faire remettre cette fameuse épée à Washington. C'est là plus qu'un symbole de la coopération entre les Français et les Américains. Peu de temps après, les Américains vont signer la paix avec les Anglais. Mais les opérations à terre, comme on vient de les décrire, ne doivent pas occulter la guerre de revanche navale menée par la France, qui va lui permettre de prendre véritablement sa revanche sur la débâcle de la guerre de 7 ans. Donc évidemment, il y a eu des combats tout d'abord dans les Antilles, mais ce sont finalement des opérations assez mineures. Les Français vont reprendre l'île de Tobago, etc. La vraie campagne victorieuse de la marine française, c'est la campagne de Suffren face à Hughes dans l'océan Indien. Cette campagne maritime menée par la France ne va pas avoir finalement un effet énorme sur les négociations, mais elle va confirmer le renouveau de la marine française, renouveau qui va durer jusqu'à la période révolutionnaire. Alors je vous rappelle que la France était engagée dans la guerre d'indépendance américaine, une fois assurée du soutien espagnol. Bon ok, c'est pas fameux, mais elle avait également le soutien hollandais qui était légèrement plus intéressant. Alors donc, les Anglais, ils vont s'attaquer aux alliés de la France, notamment les Hollandais, et c'est ainsi qu'ils vont tenter de prendre l'île du Cap, qui sera sauvée par Suffren. Toutes ces victoires françaises sur les mers vont contribuer au sentiment de dépit qui va s'emparer de l'opinion anglaise vers les années 1781-1782, et qui vont mener jusqu'à la signature du traité de Versailles en 1783. Les Américains avaient déjà signé une paix séparée avec les Anglais quelques mois auparavant, dans l'espoir, vite déçu, de pouvoir profiter de façon privilégiée du marché anglais.
Donc c'est là quand même une petite trahison, et on voit déjà qu'à l'époque, la logique commerciale l'emportait aux États-Unis. Bref, le traité de Versailles va permettre à l'Espagne de récupérer la Floride et Minorque, et elle va permettre aux Hollandais et aux Français de récupérer quelques îles dans les Antilles. Elle va également permettre aux Français de fortifier leurs 7 comptoirs des Indes, l'héritage minuscule de la glorieuse époque de Dupleix. C'est donc pas très fameux, hein, on peut le dire. Alors du côté français, on peut se dire, ouais, finalement, cette guerre, elle nous a pas apporté grand-chose, si ce n'est de la dette et quelques victoires militaires. Mais il faut bien se rendre compte que du côté anglais, c'est vécu comme une défaite absolument totale. Et le premier ministre anglais s'était dit qu'il n'avait pas perdu grand-chose finalement au traité de Versailles. Alors il va rapidement se faire descendre par l'opinion britannique qui lui dit « Vous avez beaucoup trop cédé » et il va bientôt, d'ailleurs, céder sa place. Mais ceci est une autre histoire. Washington et ses Minutemen, les miliciens américains qui devaient être prêts en une minute pour combattre les Anglais, ont tracé la voie qui mène à la constitution des armées nationales. Ces armées n'ont plus composé de militaires de carrière, mais bien de citoyens soldats qui se battront pour défendre leur verger. C'est l'évolution majeure qui suit la période de la guerre en dentelle. Diderot, dans son article « Armée de l'encyclopédie », nous disait « Il faudrait que dans chaque condition, le citoyen eût deux habits. L'habit de son état et l'habit militaire. Montesquieu réclamait une armée de citoyens. Machiavel désirait des milices locales, mais aussi Guibert, Voltaire et tant d'autres. Ils réclament tous la constitution de ces armées de citoyens. En lieu et place des gouvernements concentrés et despotiques, des représentations nationales ou populaires et la séparation des pouvoirs, et à la place des militaires de carrière, des citoyens soldats qui défendent leur sol bec et ongles. L'histoire donna raison à ces penseurs, et l'on vit, à la faveur de la Révolution française, émerger la première immense armée nationale, faite de ces conscrits de toute la France, qui partirent, dès 1792, soit 10 ans après Yorktown, combattre Prussiens et Autrichiens à Valmy. Comme une leçon donnée au grand siècle de la raison et de l'élégance militaire, la masse galvanisée de ces citoyens soldats finissait par s'imposer sur les champs de bataille, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Ce que je mentionnerai et qui m'a particulièrement frappé pendant la réalisation de ce reportage, c'est la quasi-inutilité de la plupart de ces conflits du XVIIIe siècle. En effet, on s'aperçoit que la plupart du temps, celui qui est attaqué réussit par imposer ses vues, soit par épuisement de son adversaire, soit par chance, comme dans le cas de Frédéric II. Mais il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, ce n'était pas des guerres émotionnelles comme on a aujourd'hui. En effet, le but n'était pas la destruction de l'adversaire, mais la préservation d'un équilibre européen. Et la rationalisation qui s'est imposée au fur et à mesure du siècle des Lumières a renforcé encore ce côté un peu jeu d'échecs, ce côté un peu théâtral de la guerre. Donc vraiment, les rois avançaient des pions, quoi. C'est vraiment cette impression-là qu'on peut retirer de cette époque. Connaître notre histoire devrait nous inciter à agir mieux pour le futur. Et je pense que la connaissance de cette période peut nous inciter à voir différemment les guerres, à voir différemment les affrontements, et je pense que ça devrait inspirer nos gouvernants, surtout quand on voit certains conflits en Europe, si vous voyez ce que je veux dire, à l'Est. Hein. Et également, si vous avez kiffé énormément ce reportage, comme moi je l'ai kiffé, et ben vous nous laissez un petit pouce bleu, ça nous ferait très plaisir, pourquoi pas même un petit commentaire. Et alors, si le cœur vous en dit que vous avez beaucoup aimé Monsieur Charles Deligne, je vous invite à cliquer ici, pour voir son interview intégrale. Et également, je vous ai mis en description le livre qu'il a écrit sur la bataille de Fontenoy, qui est absolument génial. Et également, allez voir ici même une séance de questions-réponses avec Charles Deligne, qui était réalisée en collaboration avec une page Facebook. Allez, je vous laisse, à la prochaine, et n'oubliez pas, l'histoire vous appartient. I'm breathing in and breaking down. I feel my time is running out. Fire in my heart will burn me to the ground. I did my part, I tried my best. The things I'm fighting to protect always shatter into pieces.